Cette semaine, c'est une ville qui servira de décor à nos présentations, Vienne, labellisée depuis 1990 ville d'art et d'histoire par le ministère français de la Culture. Pas étonnant quand on sait, à l'image de ce jardin archéologique dans lequel je me trouve, que le pays viennois est riche de quelques 2500 ans d'histoire. C'est au cœur de son théâtre antique que commence ma balade à travers Vienne. Construit au tout début de notre ère, c'est l'un des plus importants de la Gaule romaine, pouvant accueillir à l'époque jusqu'à 11 000 spectateurs. Adossé à la colline de Pipet, d'un seul regard, il embrasse la ville entière. Ce n'est pourtant pas au premier coup d'œil que celle-ci se dévoile, gardant pour les plus curieux le meilleur d'elle-même. Là où les hommes ont laissé au fil du temps leur empreinte et racontent l'histoire en majuscule, celle du pays viennois riche de 2500 ans et d'autant de faits et d'anecdotes. La ville de Vienne compte pas moins de 42 monuments protégés au titre de monuments historiques, à l'image de ce temple d'Auguste et de Livy, qui a eu un destin plutôt particulier. Créé entre 20 et 10 avant notre ère et dédié au culte de Rome et d'Auguste, il a été tour à tour transformé en église au début du Moyen-Âge, puis en tribunal révolutionnaire à la Révolution et même en musée. C'est ce qui lui a peut-être permis d'être encore debout aujourd'hui. C'est l'un des seuls temples romains qui existe encore en France, avec la tour carrée de Nîmes. Mais derrière l'histoire avec un grand H, ces ruelles savent aussi nous dire autre chose, révèlent leur part de mystère et leurs secrets. À condition, bien sûr, de savoir s'y perdre un peu. C'est là le propre de la balade. Au pied de l'église Saint-André-le-Bas, je retrouve l'espace d'un instant le Rhône, dont j'avais presque oublié la présence, paisible et rassurante. Pour me plonger ensuite dans l'univers tamisé de son cloître, respirant l'influence de l'art antique. Richement orné et datant du XIIe siècle, quiétude et plénitude semblent en être les maîtres mots. Sous le regard bienveillant des statues et de tout un bestiaire de personnages, je m'accorde une pause pour prendre, en feuilletant les pages de mon carnet de route, la mesure du chemin parcouru. Le Rhône déroule son fil et avec lui, ce sont autant de découvertes et de moments à partager. Ma balade dans Vienne arrive gentiment à son terme et c'est sur les rives du Rhône forcément qu'elle me conduit, car de tout temps, cette ville fut un passage obligé sur le fleuve. Aujourd'hui, la passerelle qui l'enjambe ici, sorte de trait d'union entre les départements d'Isère et du Rhône, se nomme Sainte-Colombe. Et comme l'oiseau qui prendrait son envol, elle m'invite à larguer les amarres, prendre le large au fil de celui qui me sert désormais de compagnon de route.